Il y a eu les régionales il n'y a pas très longtemps. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert réellement Debout la France et la personne de Nicolas Dupont-Aignan. J'ai beaucoup aimé, c'était la sincérité de cet homme, le fait qu'il soit honnête et intègre. Ça m'a fait m'intéresser de près à ce parti. Je me suis intéressé au programme. J'ai beaucoup aimé le côté protectionnisme intelligent sur l'économie. Et puis, par exemple, le plan pour développer l'Afrique, le plan Marshall, ça, tout ça, ça me plaisait beaucoup, ça me parlait. Depuis que j'ai eu mes 18 ans et que je peux voter et me présenter, j'ai décidé de me présenter sous étiquette Debout la France pour défendre en fait le projet, tout simplement. Quand on sait qu'il y a près de la moitié des étudiants qui se désintéressent à la politique, au final, ils s'en fichent un petit peu. C'est-à-dire que nous, on milite dans notre coin, on n'est pas forcément compris sur nos raisons, pourquoi on fait ça. Eux, ils se disent que ça sert à rien. Nous, on a envie de faire ça pour notre pays, pour nos concitoyens. Si j'étais élu, je pense que je serais déjà honoré d'avoir été sélectionné par les électeurs. Donc je prendrais toute la mesure de la fonction qui pèserait sur mes épaules à partir du moment où je rentrerais dans le Palais Bourbon. Et puis là, je me dirais, bon, maintenant, il faut vraiment s'y mettre. On va pas décevoir les gens qui comptent sur nous.